Nous sommes ensemble depuis 20 ans. C'est une période plus longue que la durée de mon mariage. D'ailleurs, nombreux sont les mariages qui durent moins longtemps. Henning Rumenap, guitariste principal de Guano Apes, discute avec l'équipe de Ducascopy TV. Il nous parle du processus de création d'albums qui est toujours lent et plein de joie et qui rend le groupe plus uni. Il nous explique pourquoi un gros câlin de groupe avant le concert est devenu un rituel traditionnel qu'il espère revivre encore et encore. Durant toutes ces années, nous avons toujours essayé de faire en sorte que notre nouvel album soit plus efficace. Pourtant, les choses ne se passent jamais comme prévu. Nous sommes probablement le groupe le plus lent de l'univers. Globalement parlant, 5 albums en 20 ans d'existence du groupe, ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, j'aimerais bien que nous soyons comme certains de nos collègues qui arrivent à écrire une vingtaine ou une trentaine de chansons pour leur nouvel album en une nuit. Nous écrivons toujours une quantité de chansons qui suffit tout juste pour un album et il reste une ou deux chansons secondaires. Je peux dire que nous partons toujours de zéro et c'est peut-être une bonne chose. Nous avons beaucoup travaillé sur notre chanson « Open Your Eyes ». Après avoir créé la première démo, nous avons discuté avec des représentants de l'industrie du disque et aussi avec Gun Records. C'était au milieu des années 90. Nous avons trouvé quelqu'un qui savait travailler avec des logiciels spécialisés pour faire de la musique. Il faisait tout sur l'Atari. Qu'est-ce que c'était terrible! Nous essayons de chanter tout ensemble et en fin de compte, tout a bien marché. Je pense que cela a ajouté l'énergie nécessaire à notre musique. Cette énergie se fait toujours ressentir dans la signature sonore de notre premier album. Worked a lot for the signature sound of the first album. Nous gardons toujours la tête froide. C'était comme ça au début et ça reste toujours comme ça. Il existe des tensions au sein du groupe, nous nous en rendons parfaitement compte. Nous savons que nous sommes dans une situation vulnérable. Cependant, nous sommes ensemble depuis 20 ans et c'est une période plus longue que la durée de mon mariage. D'ailleurs, nombreux sont les mariages qui durent moins longtemps. Le fait de faire partie d'un groupe ressemble à un mariage. C'est un peu comme si vous étiez marié à 3 autres personnes. Donc, il faut toujours trouver des compromis. Il faut savoir aller de l'avant, se concentrer sur la préparation d'un nouveau spectacle et essayer d'y apporter quelque chose de nouveau. Nous avons un rituel traditionnel avant chaque concert. Il s'agit d'un gros câlin de groupe, un peu comme celui qu'on peut voir pendant un match de hockey. C'est un rituel assez récent, mais après que nous nous sommes réunis en tant que groupe, nous avons compris que c'était bien d'avoir quelque chose qui nous unit avant que nous nous montions sur scène. C'est vraiment important pour nous.